Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? À plus tard, Vézémir. T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Messieurs, ce fut un plaisir. Allez, U. Passez vite, tablette. Les ennuis. Bonne mère, tu viens trinquer avec moi? C'est Derpan. T-E-R-P-A-N. Demain est un autre jour. Bon. C'est un site d'énergie. Allez, U. Tout doux maintenant. On y va. Oh, tout doux, ma mère. Lord Einhartfei. Où voulez-vous, étranger? Haine m'a détruit.
paquet. Eric Gloire. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation expresse du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynlev est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Voltaïs, Ferran es a Anvar. Et Thor? Min ebs erdi. Mach sanda en tapan. Es disse ferri. Nord est Ulfa. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre excellent. Oui, votre excellent. Je sais que vos greniers sont presque vides. Mais les soldats ont besoin de manger. Oui, votre excellent. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Montrez-moi vos articles. Vous pourriez me fabriquer quelque... Le moral est bon dans le camp? Vos gars pensent qu'une victoire est possible? Ah ah! L'espion refuse... Simple curiosité. Ben voyons. Dites à qui vous voudrez qu'on va gagner cette guerre. D'une part parce que Radovid est cinglé, comme chacun sait. Et d'autre part parce que notre... À propos d'équipement, il vous faut quelque chose? Adieu. Sois raisonnable. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains,
d'excellence, mais des mains de paysans. Alors réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messieurs. Mais nos troupes, enfin les Témériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messieurs. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Geralt de Rive, sorceleur. Un Valgerm. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon ? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi ? Ce serait trop fatigant ? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du nerprin ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Esunyakten.